Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 22 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Unreal Tournament 2004. Oui, on avait testé Unreal Tournament le tout premier, mais là ça sera le tout dernier, le 2004, le dernier qui est sorti. Donc voilà, toujours Epic Game. Alors, Unreal Tournament, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, donc c'est un jeu de tir en, on va dire, oui, un FPS tout simplement, hein. Donc à la première personne. Donc nous allons, voilà, j'ai regardé les paramètres pour être au maximum de la résolution, hein. Alors, c'était pas du 1300 et des brouettes, hein, c'était du 1000, 1080-720, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je commence juste une petite carrière comme ça. Apparemment on peut choisir donc ses coéquipiers qu'on échange grâce à du crédit, et puis c'est parti. On est à 3 contre 3 ou... Ah non, 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 d'accord. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce qu'on va être en groupe? Voilà, donc c'est parti. Donc on remarquera de nouvelles armes. Voilà donc. Celle-là, cette arme-là qui tue en deux coups. Elle doit enlever la moitié de la vie, je pense. À chaque fois qu'on l'utilise. Donc là, les petits boucliers sont toujours. Voilà, alors on peut viser avec celle-là. Voilà, vous avez vu, je tire en deux coups, je tue. Voilà, vous avez vu, je l'ai touché deux fois et il est mort. Donc je pense que c'est une arme, elle met du temps aussi à recharger. Hein, je sais pas. Vous avez vu, je tire pas en rafale, je tire une fois et deux fois. Voilà, vous avez vu, il faut du temps pour recharger en fait. C'est la petite barre qu'on voyait à droite là. Regardez, hop, ça remonte et après on peut retirer. Vous tirez, ça se recharge. Donc c'est une arme puissante mais qui demande quand même un petit temps. Donc ça peut être aussi un inconvénient si vous êtes en plein combat, c'est pas non plus de la mitraillette. Donc, alors, pour récupérer, il y a toujours un peu les mêmes items, les petits popos. J'ai vu que au niveau soins, j'ai pas vu des petits pavés qui donnent 20 là, les pavés de soins. Alors c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pratique au niveau de la sensibilité, il est encore mieux que l'ancien, le premier Unreal Tournament. C'est vachement stable. C'est pas du tout réaliste, hein, parce que si vous tirez, il y aurait un recul de fou, là, bon. Là, c'est assez... Voilà. J'essaye de pas mourir. C'est un peu compliqué. Frénésie. Oula, j'en ai tué plein, alors. C'est que ça. Allez, vous avez vu, je suis resté 3 ans devant lui. Il a même pas capté que j'allais le tuer, quoi. Même pas, il m'a tiré dessus. Et là, c'est le même mec. Il respawn et je le retue. Donc lui, je lui ai mis un coup, mais il est pas mort. Ah, voilà, ça c'est fait. Vous avez tué, machin. Donc, j'aime bien garder cet item. Cette arme, elle est plutôt sympa. On regardera les autres après. Parce qu'on fera une deuxième partie. Elle va se terminer plutôt vite, celle-là. J'en ai déjà tué 13, je crois. Bon, alors notre équipe en a tué 13, je ne sais pas du tout à quoi correspondent les chiffres à gauche, en haut à gauche. Voilà. Je sais plus si je l'ai dit, mais au niveau graphisme, c'est beaucoup mieux, hein, comme je disais. Tout est plus beau. Pas forcément très réaliste, mais les maps sont jolies. Je crois qu'il y a toujours un éditeur, il y a toujours des maps qui peuvent être créées. Voilà. You. Et je suis mort. Bon, ça va, je meurs pas trop. Ouais, je pense 15, c'est le 8, 16. Ça doit être le nombre de kills qu'il y a dans l'équipe. Je pense, je ne sais pas du tout. Alors voilà, vous voyez cette arme, elle existait aussi, en moins bien fait. Vous voyez qu'elle existait aussi. Alors là, dites popo. Hop, on prend le lance-roquette qui a lui aussi était toujours. Hop là. Il fait toujours aussi mal d'ailleurs. Il tue en deux coups aussi, hein. Deux coups direct, il meurt. La prochaine fois. Ah, continuons. Écarte-toi. Oui, on peut remarquer aussi qu'il parle en français. Alors ça, c'est plutôt bien. Pour un jeu comme ça, c'est plutôt plus sympathique parce qu'on comprend ce qu'il dit. Voilà, donc il y a eu 20 morts. 20... Je suis mort deux fois et j'en ai tué 20. Voilà, donc c'était juste de la qualif, ça, en fait, hein, tout simplement, pour rentrer dans le tournoi.
J'avais déjà fait quelques matchs avant de tourner cette vidéo. Donc là, je peux pas passer. Ouais, blabla. Donc voilà, c'est parti. Premier round. On va faire le premier round. Et puis c'est parti. Donc on est 2 contre 2. Et donc nous sommes les bleus, ils sont les rouges. En jeu. Et c'est parti. Alors, comment elle est cette plateforme? Alors ça, hop, ça donne 100. Donc on peut avoir 199 au maximum de santé. De l'adrénaline, ça pourra servir aussi. J'ai vu des tirs, alors où c'est qu'ils sont? Où sont-ils? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va y passer un moment sur cette map. Ah non, ça c'est mon ami, ça. Je viens de bombarder mon ami de tir. Elle a dû halluciner. Donc vous avez des roquettes. Hop, un petit peu d'adrénaline. Le max d'adrénaline est à 100, donc bon, on n'a pas grand-chose. D'ailleurs, je ne vois pas à quoi ça sert. Peut-être qu'on est plus endurant. Normalement, hein. L'effet de l'adrénaline. Hop, il y avait toujours la vie là au milieu, mais ça sert un peu à rien de la prendre. Y a pas des gens autour? On va aller là-dessus. Allez, on va là-dessus. Ah, mais ils sont là-haut. Allez, foireux. Ils sont là-haut. Va falloir trouver un moyen. Comment on monte là-haut? Ah, bah non, il y en a une là. Elle veut pas mourir. Donc voilà, on a toujours le principe de charger les trois roquettes aussi. Elle veut pas crever, hein. J'hallucine. Voilà, Cléopâtre. Cléopâtre. Très original d'ailleurs le nom. Vraiment. Juste au passage. Elle a pas du tout la tête d'une égyptienne. Bien. Voilà, ils sont là. Allez. Une de moins d'ailleurs, elle est tombée dans le vide. Ah bah voilà le moyen de monter. Oh le rédempteur. Oh le rédempteur. Je vous l'avais pas montré sur le Unreal normal. On va essayer de tirer avec, vous allez voir. C'est quelque chose d'assez dingue. Voilà. Voilà, vous avez vu le champ de force qui ça tue tout le monde. Ça tue tout le monde dans un rayon de... Je sais pas, quoi. Dans un gros rayon. Allez, mitraille toi, sale. Sale monstre, j'ai envie de dire. C'est même plus des humains, on se bat contre des monstres. Allez, 51, 53, 55. En tout cas, le Rédempteur, ça fait plaisir de le revoir. L'effet est vraiment bien foutu. Alors, combien on a tué? 5? Alors, à quoi ça correspond? 6 et moins 3. À quoi ça correspond le moins 3? Je ne sais pas du tout. Ah, quand. Ça fait mal de descendre. Et en même temps, je vois pas d'autre façon de descendre. Alors, on tourne en rond. J'ai rechargé ma santé, mais bon, voilà. On tourne un petit peu en rond. Où c'est qu'ils sont? Alors, je trouve ça c'est chiant d'être deux sur une map aussi grande. C'est qu'on y passe un temps fou. Voilà, allez. Voilà. Non, mais. Donc, les deux sont toujours pas loin l'un de l'autre. Quand vous en tuez un, vous avez l'autre, il est pas loin. Vous arrivez à faire du double frag facilement. Heureusement qu'ils sont pas plus que ça. Plein d'adrénaline. Là, je suis full d'adrénaline, ça y est. C'est la fête. Ils sont pas là-haut. Le Rédempteur non plus. Il doit spawn toutes les 5 minutes le truc. Et pouf, ça fait mal quand on atterrit. On reprend un peu de la vie.
Où c'est qu'ils sont? Ah mais c'est dingue ça de passer autant de temps à chercher. Alors elle est morte en sautant dans le vide. J'espère d'ailleurs que je vais pas arriver à sauter dans le vide. Adrénaline, adrénaline. Oula, on me tire dessus. Où ça? Où c'est qu'ils sont? Double frag. Alors ça c'est fait. J'ai envie de dire. Alors où c'est qu'ils sont? Je suis sûr qu'ils sont en haut maintenant. Ils ont dû remonter en haut. Ah non! Je suis mouru. Je me retrouve avec une vieille arme en carton là. Oh my god. Vite. Moi bon, celle-là est pas bien mieux mais bon. C'est bien mieux que rien. Ah, qui tire? Qui tire? C'est eux qui tirent ou... Ah non. Vous avez été tué par Cléopatra. Et je ne m'abuse pas, c'est un A à la fin de ton nom. Cléopatra. Vous n'avez peut-être pas le droit de mettre Cléopâtre tout court. Ah, ouh, elle est bien cette arme. Ils l'ont fait jolie. Celle-là aussi, avant, elle était pas très. Hein, pas très belle ou pas très. Hein. Après, il y a des armes qui sont meilleures que d'autres. Hein. Ça a jamais changé. Tchoup, elle est morte. Et lui, comme j'avais dit, il est jamais loin. Non! Alors, par contre, il me marque que vous avez été tué par Cléopâtre. Parce que c'est la dernière personne qui m'a fait des momos, je pense que c'est ça. Parce que bah, c'est pas elle qui m'a tué, c'est moi qui me suis suicidé. Donc bon, ils ont pas géré le fait qu'on pouvait se suicider. Je trouve ça dommage parce que du coup ça leur fait un kill alors que c'est moi-même qui me suis tué. Ok d'accord, qu'est-ce que je fais là? Tout à fait. Ça sent la mort ça. Ça sent que je vais crever. Comment je sors d'ici? J'arrive pas à bouger. J'arrive pas à bouger. Ah bah ça y est, je suis arrivé à bouger. Voilà. Allez, on continue. Donc ils ont fait un kill, on en a fait 13. Donc quelque chose comme ça. Hop, double dégâts. Ah d'accord, donc il n'y a pas que de la vie sur ce truc. Double dégâts pendant encore 23 secondes, 22 secondes. 21. Ça serait bien que j'arrive à faire un peu de dégâts. De la tuer là. Un petit double dégâts, c'est toujours pratique. Voilà. Double frag. Ouh le Redempteur qui est là-haut. Ouh il est là-haut. Ouh. Oh Redempteur. Alors on va essayer de pas mourir cette fois-ci en l'utilisant. On va essayer hein. Alors où c'est qu'ils sont? Non. Ah non, je suis trop con. Regardez-moi ce temple de force. Oh my god. Eh ouais, j'ai tiré en étant trop en oblique, ça a tiré devant moi. Mais du coup bah je l'ai pas tué du tout. Donc elle va mourir. Voilà. Oui, mais ça, je le savais que j'étais plein d'adrénaline. Alors, je ne sais pas si ça va en 20 ou en 30. Enfin, ça va déjà un peu plus vite qu'au début. Double frag. 0 vs 18. On dirait que leur score descend. Je sais pas. Bizarre. Le score descend. Alors là, vous avez été tué par Cléopatra, donc ça leur fait 1. 1 à 18. En gros, ça devrait. Ce que j'ai compris, peut-être que ça fait plus 1 moins 1. Peut-être. On va avoir 2 vs 18, ça veut dire qu'ils nous ont tués. Mais ça nous a pas fait moins 1 donc, ouais, non. Donc ça joue pas. Je sais pas, 2, 19, 20, vous avez. Voilà. Je sais pas. Je ne comprends pas cette logique. Ah, il y en a un là. Ah! Ah ouais, ce qui est chiant, c'est qu'avec cette arme, pour viser, vite. Ah putain, non. C'est précis, et en même temps, faut un petit peu de temps pour viser, quoi. Qu'est-ce que je fais? Et regardez, il me fuit, le mec.
Il fuit comme une merde, j'hallucine. Ah là là, voilà, il est mort. Hey, hey, il est mouru. Les deux. Donc du rare qui vont respawn, je sais pas où. Ah bah non, il est en haut. Ah non, là. Ici. Voilà. Ah bah là, là ils restent ensemble en même temps qu'ils sont trop. Ah, rester ensemble, c'est normal qu'ils crèvent, les mecs. Et là, il y a un petit peu d'adrénaline, même si je suis déjà full. Depuis très longtemps, je suis full. Et vous avez vu, quand on meurt, on est toujours plein d'adrénaline quand on revient. Bon. Jusque-là, on perd toutes nos armes et on perd tout, mais on a quand même de l'adrénaline. On la garde quand même, donc je vois pas trop l'utilité. D'ailleurs, on continue à ramasser les pilules même quand on est plein. Ça aussi, c'est peut-être un peu con, parce que si l'autre il a envie de la récupérer, un collègue ou n'importe. Bon, je veux dire, en même temps, on passe dessus, on est un peu con aussi, mais. Allez. Double frappe. Voilà, donc 26, donc la partie se rapproche à sa fin, je pense que ça doit être à 30. Il doit falloir faire 30 frags. Ah! J'ai mal visé. Donc on récupère un peu de la vie. Ceux qui sont là. C'est qu'il est. Ils sont sérieux les gens? Comment il fait pour me tirer dessus? Il est où? On ne voit même pas. Alors là, lui déjà, il a crevé. Voilà. Et lui aussi. Allez, crève. Allez, double frag. 2-28, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai bugué ou qu'est-ce qui se passe là? Ah non, j'étais juste en train d'écrire dans le chat. J'ai appuyé sur une touche, en fait ça écrivait dans le chat. Pour ça, ça bougeait plus. Ça voulait plus marcher. Allez, encore un frag. Plus que 3 minutes, mais je m'en fous de. Voilà, c'est terminé. On a fait 30 frags. Et voilà, donc pour Unreal Tournament 2004. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.